Poulet aux prunes, c'est encore un projet différent puisqu'on avait envie de, bah, de toucher au, au cinéma, oui, avec des acteurs en viande. Et voilà. Mais c'est plutôt une histoire de circonstances, de contexte et de... Parce que moi, enfin, c'est... J'ai envie de raconter des histoires après, peu importe le, bah, le moyen. Ouais. Après, faut pas être nonchalant, hein, quand on fait ça. Il faut s'intéresser à la technique, il faut s'intéresser au médium. Il faut faire ça bien, enfin, pour résumer. Je travaille beaucoup. Ouais. Avant de commencer à tourner, on a travaillé pendant un an et demi avant. Donc on a fait le storyboard, on a découpé le film. On a parlé de... On a joué les scènes, on les a filmées. Enfin, certaines scènes... Évidemment, on était conscient de nos failles, puisqu'on n'est pas des réalisateurs de films, donc avec des acteurs. Donc, on sentait bien qu'il y avait quelques faiblesses à ce niveau-là. Donc, on a essayé de se couvrir. Et puis après, on écrit le script ensemble, tout ça. Donc, au moment du tournage, c'est tellement stressant. On est deux. Donc il y a vraiment beaucoup de chances qu'on se foute sur la gueule, ce qui arrive. Donc si on n'a pas très bien préparé en amont, ça devient une sorte de carnage. Donc voilà. Donc ça se passe bien, ça se passe mal, tout ça, mais on a quand même en tête une sorte de projet commun, et même si on n'est pas d'accord. C'est pas la même démarche, c'est-à-dire qu'on peut, même un dessin animé, on peut le contrôler quasiment jusqu'à la fin. Après un film, même sur le tournage, ça commence à partir ailleurs. Donc, il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, dès qu'on travaille en équipe. Je veux dire, autrement, il ne faut pas travailler avec des gens. Il faut se mettre une moustache et une mèche comme ça, et puis, diriger. Mais c'est pas... Enfin, moi, je m'en fous un peu de ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis plutôt émerveillé quand il y a le décorateur, on lui a fait des propositions, il arrive avec les décors et c'est chouette, qu'un acteur comme Mathieu s'empare du personnage. Enfin, je veux dire, ce boulot, je n'aurais pas à le faire, je suis très content. On est parti sur un postulat esthétique qui est aux antipodes. Voilà. Donc après, on s'est dit, tiens, ben, allons du côté du vieux cinéma, enfin, cinéma des années 50, quelque chose de statique, d'assez composé. Après, le studio, c'était une manière aussi de tenir ce qu'on voulait faire, enfin, d'un point de vue graphique. Oui. Et voilà, et c'était une envie, quoi.